bloqué. Octobre 1994. Ma patience est enfin récompensée. Ma troupe de fidèles lieutenants, les exterminateurs, est enfin constituée. Les tempêtes m'ont apporté exactement les hommes qu'il me fallait pour bâtir la confrérie des Solari. Des hommes forts, mais dociles. Ils ont été brisés par les tempêtes. Ils sont affaiblis et vulnérables. Et je leur ai tendu la main. À présent, ils me servent et à travers moi, ils servent la Reine Solaire. Elle me montre la voie. Elle m'a toujours montré la voie. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Et bientôt, ils verront. Elle est partout sur cette île. Mais la confrérie des Solari doit s'agrandir. Nous recruterons autant d'hommes que possible. J'instaurerai des lois, et ils travailleront pour la Reine Solaire pendant que je chercherai la clé. Comment ils peuvent vivre comme ça? Oh mon Dieu, c'est Green! Tu t'es échappé! Ils ont pas pu me retenir! Viens me rejoindre! Il faut qu'on retrouve les autres! Liquidez-la! Étrangère! Abandonne! Pas question, salopard! Thank you.
survivants. Si on peut dire. Où sont les autres? Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Monte ici, et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Je vais essayer. Thank you.
tuer ton ami ! Les écoute pas, Lara ! Ok ! Ok ! Tu me fais pas peur ! J'ai grandi à Glasgow, moi ! Allez, liquidez-moi tout ça ! Payeront pour ça. Le palais. Je dois rejoindre le palais. Tu peux grimper maintenant. Oh, merde. Oui. Grimm est mort. Ils ont essayé de l'utiliser pour m'obliger à me rendre, mais il a préféré se sacrifier. Grimm. Foutue tête de mule. Désolé, Eros. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir ? J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross de l'Endurance. Vous me recevez ? Clara, t'as entendu ça ? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. Envoie un signal. Je vais chercher Sam et les autres. Mais Lara, je devrais peut-être... Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. Attention, Lara. Ce pont grouille de gardes. Super. Une idée ?
Oui. Mais ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. Dans mon viseur. On y va. Concentre-toi, Ross. Je crois qu'ils ont eu la fille. T'en fais pas. Si c'est pas le cas, elle viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si on est chaud. Ça n'arrivera pas. Elle se l'arrête avec nous. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitte. Lara, attention! Je vais lui faire la peau! Sors de là! Lara, ils sont trop nombreux! Ne reste pas là! Je vais aller chercher Ross. Je vais revenir. C'est promis.
Écoutez-moi. Dans l'autre monde, nous n'étions rien. Mais ici, ici, nous sommes les Solari, les enfants de la Reine Solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Himiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Ça, c'est pour platir ta chaîne. Assez. Dimitri, Nikolai, amenez-la-moi. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Himiko! Parle-nous à travers les flammes! Je suis désolée. Regarde-moi! Bientôt, mes frères, nous serons libres! Emmenez-la dans la salle du trône. Ton combat est terminé, créature. Que Mathias continue à prouver sa connexion spirituelle avec la Reine Solaire, les hommes sont prêts à le croire. L'initiation est brutale. Nous devons détruire leur conscience, les rendre inhumains. Les nouvelles recrues sont envoyées dans les profondeurs de la grotte, où on les affame pendant des jours, parfois des semaines.
Ceux qui survivent sont accueillis dans la confrérie à bras ouverts. Je ne peux toujours pas expliquer le pouvoir que Mathias a découvert, mais peu importe. Nous ne quitterons jamais cette île. Parfois, j'ai l'impression d'être en enfer. Après tout ce que nous avons traversé, ça ne serait pas forcément pire. Cet endroit n'est que pure folie. Mathias croit que l'esprit de Himiko nous retient prisonniers ici. Ce n'est pas possible. Mais il a atteint un tel degré de folie qu'il est peut-être parvenu malgré lui à une certaine forme de clairvoyance. L'hélicoptère n'est pas la solution. Tu le sais, Lara. Au fond de toi. Je dois prévenir les autres. Si nous embarquons dans l'hélico, nous sommes morts.
Mado. C'est bon, t'étais en train de perdre. Oh non, ça recommence. Je m'en occupe. Alisha, ma chérie, je ne voulais pas t'écrire cette lettre, mais si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se représentera peut-être pas. J'ai quelques problèmes à résoudre et il se pourrait que je reste loin de toi plus longtemps que prévu. Je ne sais pas quand tu liras cette lettre, mais je veux que tu saches que je me suis battue pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tout ce temps loin de la maison, l'argent économisé, les sacrifices. Je suis désolée pour tout ce que tu vas devoir endurer sans moi. Si je ne reviens pas, va voir Conrad Ross. Tu ne l'as jamais rencontré, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est ton père. Tu as ses yeux. Tu es la plus belle chose de ma vie. Et je t'aime plus que tout. Début du XVIIIe siècle, les éventails en soie noire étaient souvent utilisés lors des funérailles des membres de la noblesse.
Tes enfants, et nous attendons le jour où tu nous éclaireras, où tu nous guideras. Désormais, vous êtes des Solari, mes frères. Priez, chantez les louanges de la reine solaire. Envoyé au Oni. Alors, il va se passer quoi à ton avis? La reine solaire va enfin nous permettre de quitter ce rocher. Alors, tout est vrai, je veux dire. Elle existe? Bien sûr. Et plus rien ne pourra nous arrêter. J'ai du mal à y croire. Ça fait si longtemps. Bientôt tout va changer, mon frère. Tu verras. T'es arrivé jusqu'ici? On m'a aidé. Grim? Oui. Il s'en est pas sorti. Merde. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire.
Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman ? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Showbiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Je vais trouver une solution. Allez, faut essayer de desserrer ça. Allez les gars, encore un coup. Ok, attention. Saute. Ça sert à rien. Attends. Saute. C'est pas vrai. Lara, il se passe des choses bizarres ici. On les a entendus parler d'un esprit du soleil. La reine solaire. L'ancienne souveraine du Yamatai. Les autres ? Tu veux dire qu'on est au Yamatai ? Oui. On dirait bien. Alors c'est pas beau ça ? Accrochez-vous ! On a fait nous par le trouver, ce fichu royaume perdu. On imagine. Bien sale ici. Le sol commence à céder. T'en fais pas pour ça, Lara. Fais-nous seulement sortir de là. T'assures, ma belle. C'est bon, je vais trouver. Bon, attends, quoi ?
pas. J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'écrase. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il ? Enfin, je veux dire, ça va ? Vous n'avez rien ? Dès qu'ils ont cessé de me voir comme une menace, j'ai pu me déplacer plus librement. Vous étiez au courant pour les autres ? Oui, et Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. C'est Solari. Ce sont des merveilles anthropologiques, Lara. Ce sont des psychopathes, Dr. Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le gars ici. Vous me dites quand la voie est libre. Tu ne comprends pas. Tu as été choisie, Samantha. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivée. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais... je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça ? Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île ? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Ah, il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Ça va aller. Tout va bien se passer. Mes armes. Comment on va faire pour sortir de là ? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. Whitman ! Whitman ! Où est-ce qu'il est passé ? Fuyez, Lara ! Fuyez ! Attrapez-les ! Ok ! Fuyez ! Retourne dans la salle du trône ! Lara ! Ah ! Continue, Sam ! Je trouverai une autre sortie ! Là ! Thank you.
Allez, tous ensemble, pour la reine. Trouvez-la. La fille est à moi.